Le Noël du Père Noël par Lavina Tienne. C'était un beau jour de décembre avec un ciel bleu azur et les cimes des arbres enneigées. Cela sentait bon Noël. Mais dans le chalet du Père Noël, tout était calme. La fièvre et le tumulte habituel des préparatifs des cadeaux s'étaient tus, parce que le Père Noël était tombé malade. Quel malheur! Que vont dire les enfants privés de cadeaux de Noël cette année? Songeait tristement le Père Noël, allongé sur son lit. Soudain, il entendit un bruit venant du dehors. Il regarda par la fenêtre et vit ses quatre reines attendant patiemment comme à l'accoutumée. Mais il semblait hors d'haleine, comme s'il revenait d'un long voyage. Alors que le Père Noël y regardait de plus près, il n'en crut pas ses yeux, car derrière les reines, l'on distinguait un défilé de luges, transportant des petits enfants habillés de toutes les couleurs. Un par un, ils sautèrent dans la neige et se dirigèrent vers le chalet du Père Noël. Bientôt, l'on entendit frapper à la porte. « Entrez !» clama le Père Noël, car il était extrêmement curieux. Une petite fille entra, serrant dans ses bras quelque chose de doux. « J'ai appris que tu étais malade, Père Noël, » commença-t-elle. « Alors, je te donne mon ours en peluche pour te tenir compagnie. » « Eh bien, merci, petite Emma, » dit le Père Noël, car il connaissait le nom de chaque enfant. Puis entra un petit garçon tenant dans ses bras un paquet rouge. « Nous savions que tu étais malade, Père Noël, » dit-il. « Alors, ma famille a tricoté ce petit édredon pour toi, pour te tenir chaud les jours d'hiver. » « Eh bien, Paul, quelle merveilleuse idée !» clama le Père Noël en lui caressant la tête. Un par un, les enfants passèrent la porte du Père Noël, chacun apportant un cadeau spécial au Père Noël pour qu'il se porte mieux. Il y avait des biscuits, des tartes, des chaussettes, des moufles, des livres, des puzzles et même un petit arbre de Noël. « Noël, livré à ma porte !» s'exclama le Père Noël. « Entrez et partageons tous ces merveilleux cadeaux !» Il rassembla les enfants autour de lui en un grand cercle. « Père Noël, quel cadeau préfères-tu ? » s'écria bientôt Emma. « Mes chers petits, répondit le Père Noël en souriant, ce sont l'amour et la gentillesse que vous m'avez montrés aujourd'hui, qui sont les plus beaux de tous les cadeaux. Il regarda tendrement tous les petits visages pressés vers lui. Voilà, mes petits, la vraie signification de Noël. Puis, le Père Noël
serra chaleureusement chaque enfant dans ses bras.